les amis, c'est Caius. Aujourd'hui on se retrouve pour une big vidéo sur Yu-Gi-Oh! Les frérots, enfin le duel tant attendu. Oui, vous l'attendiez parce que j'en avais parlé en live les frères. C'est un duel sur Master Duel avec nos différents decks contre une personne qu'on connaît les frérots, qu'on a déjà vu en live. Les amis, s'il vous plaît, derrière l'écran, Standing Innovation pour Luthor. Yeki-sama, je te défie en duel. J'ai bégayé. Ça va, hey, ou quoi, Luthor? Ça va et toi? Je suis chaud. Trapo Cardo. Je suis chaud, mon gars. Tu vas découvrir mes petits monstres Ignister. Ah, t'as quoi comme deck? Ah, Ignister. Deck Ignister, quoi d'autre? J'ai un Cyber Dragon. Ouais. Et un petit Prank Kid. Si t'aimes les enfants, nah, qui font des bêtises. Horrible. Yadou, horrible. Respecte un peu. Horrible à jouer, les frères. Donc, oui, les amis, aujourd'hui, et j'aimerais pouvoir faire ça un peu plus souvent, donc des duels en BO3 sur la chaîne, sur du Yu-Gi-Oh! Master Duel. J'avais sorti la vidéo sur le pack opening Avocate Shadow que j'ai pas encore terminé hein, parce qu'il coûte en UR sur l'extra deck un peu, c'est un peu compliqué mais il va venir. Donc là aujourd'hui moi je vais utiliser du Salamon Great, Salamon Grande, je vais utiliser aussi du Trou Draco. Donc on verra bien ce que ça va donner aujourd'hui dans ce fight. Luthor, tu le sens comment un petit peu? Franchement, je pense que tu vas pas faire long feu, mon pote. Ah, ça joue maxé ou pas? Je veux juste savoir si non, ça joue maxé. Écoute, je joue aucun truc qui sont ban dans le TCG, d'accord? Ah, franchement, hey, t'es dans cette mentalité. Tu passes un message. Là, tu passes un message à Konami. Konami, mettez-nous la banlist TCG. J'en peux plus. Le jeu est parfait. C'est le seul défaut qu'il y a. Hey, enlevez-nous maxé. Remettez-nous Dragoon. Voilà, classe. Ouais, on veut vrai. Rien. Nous, on veut pouvoir jouer Magicien Sombre, tu on sais veut pouvoir jouer Red Eye. Ma philosophie, c'est je veux jouer sur Master Duel les decks que je joue en vrai en boutique. Parce que moi, je joue en boutique, je fais des petits tournois. Voilà. Ouais, eh, c'est un tâteur, ça y est. Oh, Luthor. La vérité, quand je l'ai vu il y a quelques mois, frère, il savait même pas si c'était une carte magique, frère. Ça, c'est des petits boosters. C'est des petits boosters. OTS qui prouvent que j'ai fait des tournois. La satisfaction de gagner un tournoi, Luthor. C'est incroyable. En plus, est-ce que tu te sens le roi du monde? Ah, le roi. Franchement, je voulais qu'il me respecte dans la boutique. J'ai gagné contre un mec qui était invaincu depuis, je crois, plus de 10 matchs, plus de 10 duels. Il avait pas perdu. Avec quel deck? Ignister, celui qui. Et là, du coup, tu l'as reproduit. Reproduit. Alors, il y a juste quelques N-traps qui sont trop chers, tu vois. Il y a trop d'ultra rares. Ouais. Genre, tu sais, les Veilers, les illusionnistes d'effet, bah, c'est 3 ultra rares. Ouais. Les H, pareil, voilà. Donc, mais j'ai un beau deck. D'accord, ok. Bon, de toute façon, on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. N'oubliez pas, les amis, objectif de post-like, s'il vous plaît. Bombardez-moi ça, comme ça on vous fait beaucoup plus likes, de vidéos de duels. Donc bien entendu dans l'espace description, il y aura la chaîne également de Luthor parce que c'est un match aller-retour. C'est logique frère, on est deux. Donc un match aller BO3, un match retour BO3 avec nos decks. Et objectif c'est qu'à terme, on ait plein de decks pour pouvoir faire plein de duels. Donc là c'est simple, BO3, on lance, on commence premier, deuxième et tout etc. Il n'y a pas de règles. Est-ce que tu veux faire comme dans les tournois où genre en gros si jamais tu perds ou tu gagnes, il choisit pour le deuxième? Tu veux faire comme ça? Ouais, Vas-y si tu veux, on fait comme ça. Voilà. Et puis voilà quoi. Chaud? Vas-y, je suis chaud, j'ai envie. Allez, vas-y, chaud les gars. N'oubliez pas de vous abonner et c'est parti pour la bagarre. Bien entendu, je cache ton écran. S'il te plaît, pas ton écran. Pareil. Moi j'aime bien regarder un petit peu la caméra et tout, mais on est parti les frères. Moi je prends mon deck Salamon Grande. Team Salaman, Team Salam ou Team Ouais, Team Salam, Team Salam. Et toi, t'as pris quoi? Ignister? Ignister. Oh, les frères, c'est moi, j'ai fait commencer le duel. Let's go! Tu connais, t'as déjà joué contre Ignister ou pas? J'ai déjà joué contre Ignister. On en voit pas beaucoup. Ouais, on en voit pas beaucoup et quand on en voit, ça fait mal. Putain, il choisit. Ça fait mal. Je vais jouer premier. Ah ouais, bah oui, normal, il va poser son jeu. Tu sais pose ton jeu. Je peux avoir une brique, hein. On peut tous avoir une brique. Oh, ok, c'est bon. T'as bien enlevé l'audio du bureau, hein. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon les amis, on va voir ce que ça va donner entre le duel Ignister, Team Ignister dans l'espace commentaire, Team Salam. C'est parti. Allez, c'est parti avec Sinet Nage. Ouais, les frères, là la main c'est compliqué. Oh. Ah, ça m'arrange. C'est compliqué. Oh. Là, j'avoue, j'ai juste fait ça pour voir si t'avais pas une petite entrap, tu vois. J'ai commencé par ça. Mais là, je vois que t'as pas grand chose. J'ai pas grand chose là. T'as pas grand chose, j'ai l'impression, là, pour m'arrêter. Là, je suis dans le mal là. Donc,
Le petit principe de Ignister, tu le connais le... Quand je, tu connais, cours... je connais. Fais tes bails. Tu sais sur quoi ça termine? Fais tes bails. Est-ce que tu sais sur quoi ça termine? Fais tes bails, ya sahbi. Ah, je vois, t'as peur. Non, mais ce que je voulais juste savoir si tu penses que tu peux passer un monstre à 400 000 d'effets, tu vois. Ah ouais, tu le joues comme ça. Ouais, in fine éphémère sur Enfant des Ténèbres. Salopard. Salopard, tu m'as troll. Attends, c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini, je sais que c'est pas fini. C'est pas fini, je vais essayer de là, mais... là les gars, vu que je ne sais pas ce qu'il a dans la main. Ouais, mais tu m'as fait mal quand même, je vais pas te mentir. Vu que je ne sais pas ce qu'il a dans la main, les amis, je ne sais pas si j'aurais dû attendre ou pas. Inister, je l'ai affronté qu'une seule fois, donc je connais pas forcément les combos du deck, je connais pas tous les combos par cœur. Non, enfin, je connais pas tous les combos tout court. Donc on va voir. Mais là, en vrai, je sais que l'enfant des ténèbres, je l'ai déjà vu et faut pas le laisser jouer. Je suis pas si bien. Je t'avoue, je suis pas si bien. Tranquille, Link 2. Ouais. Oh, là, Mash Splash. Ouais, je vais pas pouvoir poser mon. Le Inifini éphémère, les frères, ça c'est des types de cartes que tu revois dans plusieurs decks empêchent tour 1 de que ton adversaire joue, tu vois. C'est très très fort. Inifini, même en physique, ça joue pratiquement x3 dans chaque deck. Ouais. Okay, Inifini, ouais. Moi je joue en deux fois parce que je joue avec Gouttelette. Bah je préfère te dire. Hein. Ouais. Oh, direct. Ah, direct tour 1, toi. T'es comme ça. C'est pas l'accès. Genre pour. Non mais je sais, transcodeur, tu vas le lier avec un monstre et du coup après il sera pas affecté. Il sera pas affecté par des effets. Mais t'es comme ça toi. On fait ce qu'on peut. Tu m'as mis mal. Je vais pas te mentir, tu m'as mis mal. Tiens, je suis obligé de passer turn là. Voilà, ok, ça marche. Et là on va essayer de survivre. Faut qu'on survive ton tour. Si je survis ton tour, je peux faire un truc. Tu peux faire une dinguerie? Je sais pas, une dinguerie. Est-ce que tu peux me TK, tu penses? Arrête parce que tu arrête. Est-ce que tu penses que tu me tues ce tour là? Ok, bon, on va essayer de faire les choses bien. Moi aussi, Sinet Minage. Oh, un petit Sinet. Ouais, je vire Rage Salamangrande dans mon cimetière. Non. Attends, là, les amis. Me dites pas. Vas-y, frère, c'est trop. La tête, c'est trop. Je réfléchis, mais je sais pas si j'ai bien fait de le faire là. Bon. Heureusement que j'en ai une autre en main. On va essayer de faire les choses bien, les refs. On va essayer de faire les choses bien. J'invoque Falco. Okay. J'invoque Falco. Attends, il fait quoi, j'utilise mon extra deck, je fais une link 1 où je ramène Phalanx le Lynx. Tu connais Phalanx? Phalanx le Lynx. T'as déjà affronté ou pas un Salamangreat? Ouais. Je l'ai affronté en tournoi. Okay. Et il m'avait mis 2-0, il m'avait fait très mal. Il m'avait fait très mal avec son Sala. Ouais, c'est chaud. Après, je le maîtrise pas vraiment. Je maîtrise pas à 100% quand même. Quand, tranquille, tu vois. Bien, tu vois. Je le connais. Voilà, pas moi bien. Non plus, moi non plus. Faut essayer d'arrêter la gazelle. La gazelle. Ah, la gazelle. Gazelle, ouais, la gazelle. Je sais qu'il faut essayer d'arrêter la gazelle. La gazelle. Donc je vais essayer de mettre un petit H sur la gazelle. Donc là frérot, Xyz parallèle. Tu vas en chercher. Je récupère du coup mon terrain. Plus Falco, je récupère ma carte piège que j'ai balancée dans le cimetière. Ok. Plus j'active l'effet de Xyz parallèle. Bien sûr. Voilà, bim. On ramène du coup mes deux Xyz parallèles. Ouais. J'active mon terrain. Tu vas pouvoir faire une belle. Alors, qu'est-ce qu'il fait ton terrain, si vous êtes... Mon terrain, c'est juste pour pouvoir remettre par-dessus mon feu lynx et tout, etc. Tu vois, le bail. Tu vois le bail ou pas? Cibler un monstre, ok. Ça marche. Vas-y, tu sais quoi? Je vais essayer de faire un truc. Après, vas-y. C'est pas sûr que ça marche, mais on va essayer quand même. J'invoque brouilleur de mise à jour. Oh, il va me chercher access code. Ouais, je vais le tenter de tour 1. Je vais le tenter de tour 1, les amis. T'as raison. Ah, transcodeur bavard. Évidemment, on connaît. On essaye. Et là. Quoi, et là, quoi? Et là. Qu'est-ce que t'as? J'ai rien. Qu'est-ce que t'as? Commence pas. Commence pas à m'embrouiller le cerveau. Là, Je ramène le boulevard. Vas-y. Je ramène le boulevard. Je sais pas si je suis mort. Je pense pas que je suis mort. Après, ça va dépendre des cartes que t'as dans la main. Tu peux pas les cibler, hein. Attends. Ah, tu peux pas les cibler, mes monstres, avec des effets. Donc tu peux pas les détruire. C'est dangereux, là, ce que je viens de faire. C'est dangereux.
Ah, parce que Access Code, quand il est sur le board, si tu finis pas, c'est... Ouais. Il te protège pas de ouf. C'est vrai. Là, t'attaques deux fois. Non, tu... Ah, attends, on va tester, on va tester. 10. On va tester. Je pense que si tu me tues, hein. On va tester. Déjà, tu peux pas détruire mes monstres. On va tester. Tu peux pas détruire mes... Ah, mais pourquoi? Je croyais que tu pouvais pas les cibler. Attends, c'est quoi? C'est quoi? Non, attends, il y a un bug. Il y a un bug. Ah putain, il est pas collé avec Mash Plat. J'ai fait le con. Ah non. Let's go! Le boulevard, les frérots. Assez Scudder, trop fort. GG Luthor. Je l'ai, Access Code. Gigi, ouais, tu sais très bien que ça fait très mal, Access Code. Ah bah, je sais. Mais je en sais. Fait, ton Mash Plat, il était pas collé avec. Mais oui, avec Ah, l'erreur de débutant. Ouais, mais c'est rien, c'est des choses qui arrivent. C'est rien. C'était le premier duel. Il y a encore un deuxième duel. Est-ce que tu veux changer de deck ou tu veux garder? Est-ce qu'on n'est pas obligé de changer de deck? Là, je change de règle. Est-ce qu'on n'est pas obligé de changer de deck à On change deck de deck on est obligé. Allez, on est obligé de changer de deck. Allez, c'est chaud, on change de deck. Heureusement que j'en ai deux. Hein. J'en ai deux de terminer. Le reste n'est pas terminé. Alors, attends. Vas-y. Vas-y, je vais partir avec celui-là. J'ai pas le choix de toute façon. J'ai pas le choix de partir avec celui-là, mes frères. GG en tout cas pour ce premier match. Allez, je vais jouer Cyber Dragon, les gars. Ah non. Oh, Cyber Dragon contre le deck. Je maîtrise pas de lui. Cyber Dragon contre le deck. Parce que tu sais que c'est un trou Draco. C'est horrible ce que tu fais. Ah, j'ai une chance. Si jamais j'ai pas la main adéquate, c'est terminé. Bon, du coup, vu que t'as perdu, c'est toi qui décides si tu commences en premier ou en deuxième. C'est toi qui choisis. Donc du coup, tu veux jouer en premier ou en deuxième? Non, je vais te laisser commencer. Ok. Bah du coup je joue en premier. Ouais bah oui. Enfin, allez, let's go. Tout à fait. Tout à fait, oui. Monsieur. Bah oui. Allez bonne chance. Bonne chance, mon Luthor. Bonne chance. Non bon mais chance. Là ça va pas ça. Tu m'as mis un OTK au deuxième tour. Non mais c'est des choses qui arrivent. Tu sais très bien quand il y a les... Ouais mais là il faut que je me rattrape. Ok. Moi ok. On se calme. Ok. On se calme. Là je mets des cartes pièges. Je mets ma carte magique. Pour l'instant elle ne fait rien. Okay. Donc ça c'est un deck quoi, toi? Ça c'est un deck trou Draco. Je sais pas si t'en as déjà vu. Pas du tout. Ok. Là je fais carte d'exécution. Elle me permet de piocher 3 cartes. Ouais. Et à la fin de mon tour, je détache dans le... Je fais rien du tout. Ok, d'accord. Ok. Il y a pas de piochage. Il y a pas de piochage. Ok. Pardon. Il y a pas. Y a pas. Ça y est, tu voilà. m'as tué. Une phase. Voilà, c'est bon. Ok, une phase. Attends. Voilà, pardon. Ah, du coup, pardon. Je vais piocher. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Et je vais. Je sais pas si tu connais. Non. Un petit orage foudroyant. Non. Allez, jugement solennel. Non, bâtard. Non, orage foudroyant, c'est trop fort, les amis. C'est une carte aussi que tu verras dans plusieurs decks, en deux fois ou en trois fois. Mais c'est très très fort, Orage Foudroyant, ouais. très fort. Par contre, toi t'as perdu la moitié de tes points de vie. Oui. Mais... Voilà, en gros. Ajoutez un monstre lumière qui ne peut pas être invoqué spécial et impose. Ouais. Ou un monstre Cyber Dragon depuis votre deck à votre main. Si l'activation de cette carte en position de ce propriétaire est annulée par un effet de carte. Waouh. C'est bon, frère. Calme-toi. Ça passe. Là, Luthor est à 8000 PV. Moi, je suis à 4000. Je suis dans le mal. Il a juste invoqué sa fusion que je connais beaucoup parce que je joue Cyber Dragon in real life. Déjà, je vais invoquer, pour faire genre. Vu que je ne contrôle pas de monstre et que tu en contrôles un, je vais invoquer un petit Cyber Dragon. Ensuite. Vas-y, je vais faire ça. Oh, absorption de compétences. Ça c'est moche ça. Donc là j'utilise 1000 PV et normalement j'annule tous les effets de monstres face recto sur le terrain. Exactement. Voilà. Je vais invoquer spécialement Soldat Galactique. Ouais. En défaussant Soldat Galactique. Ouais. Du coup est-ce que son effet il passe pas? Non, son effet passe pas. Ouais, son effet passe pas. Ça c'est moche ça. Skill Drain, d'ailleurs, Skill Drain qui a été depuis la dernière banlist, maintenant tu peux le jouer 3 fois. Ouais, oh. C'est n'importe quoi. Eh, cette carte, les amis, là... que tu verras aussi dans plusieurs decks, qui permet de temporiser au max. Laisse tomber. Est-ce que je joue... Ah, donc là, attends, parce que là, avec ton truc, c'est relou. Ouais. Ça, c'est relou. Qu'est-ce que je fais?
Là, tu me poses une colle. Si t'as pas d'effet, ça veut dire que toi, tu vas pas jouer les effets non plus. C'est pas vraiment un deck à effet, tu vois. Je sais pas, t'as eu l'occasion d'en rencontrer ça ou pas? J'hésite parce que est-ce que j'ai un intérêt à mettre ça du coup? Parce que là, ça va jouer à la taille en gros. Ça va jouer à la taille. Vas-y. Aïe aïe aïe. Je suis sans défense. Ouais, mais là je peux plus t'attaquer. Ouais, mais bon frère. Si je top deck pas, c'est la merde. Allez, vas-y, c'est quoi? Allez, s'il te plaît, je crois à l'âme des cartes. Yugi! Je crois à l'âme des cartes, les amis derrière l'écran. Crois à l'âme des cartes. J'espère que t'as pas de chance. Allez, une brique, une merde, une daube, une chiasse. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors attention. Du coup, je vais sacrifier mon soldat. Je vais invoquer un deuxième super dragon. Qu'est-ce qui se cache derrière sa carte là? Je l'entends plus là. Pourquoi il est silencieux? Rien. C'est quoi? Est-ce que t'as un piège qui dit que détruisez toutes les cartes en position d'attaque? C'est possible. On va tenter le coup. Parce que... Allez. Oui. 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 C'est oui. La cata, GG. Oh les frères. Oh les frères. Je suis dégoûté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça, c'est... Là, tu m'as hache une carte pour piocher. Malheureusement, bon bah, j'avais pas forcément les monstres adéquats pour pouvoir invoquer. Enfin, c'était la merde. Non, là, la vérité, c'était la ça merde. Ça joue sur le dernier duel. Et voilà, tout va jouer sur le dernier duel. Là, le trou draco. Il y a des personnes derrière l'écran, ils vont dire ah wesh, sérieux là. Il y a mieux. C'est quoi? Mais ouais, j'ai brick malheureusement. Allez, du coup, je vais devoir rejouer mon Salamon Great. Parce que et là, j'ai pas encore fini mon. Et du coup, moi, j'ai le choix. Toi, t'as le choix. C'est quoi, je vais être beau joueur. Je pense que je vais perdre, mais c'est pas grave. C'est parti. Tu vas faire. Et là, c'est toi qui as le choix de commencer ou pas. Et je te dis pas ce que je joue. Donc, tu sais que je joue un de mes trois decks. Vas-y. Vas-y, frérot. Vas-y. Quoi qu'il arrive, je te check. Bon duel. Check. Bon duel. Et ils auront pas été longs, les duels. Les gars, mais de toute façon, c'est ça dans Yu-Gi-Oh! Soit tu fais des combos. La nouvelle méta, pendant 5 heures, frère. Soit t'enchaînes rapide, tac, 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 tac. Mais là, c'est beau, tu vois, c'est bien, c'est tranquille. Mais là, Luthor m'a motivé. Les anciens joueurs, ils aiment pas, tu vois. Bon. C'est quoi? Je vais jouer en... C'est quoi? Je suis joueur. Tu joues quoi? Ah, j'ai mis joueur en deuxième, il m'a mis joueur au premier. Non. Oui, merci. Non, les frères. Bon, ouais, j'espère que j'ai une main de fou. La merde. Ok. Attends, déjà tu joues quoi? Ah, t'as dit que tu jouais ça là. Je suis dégoûté les refs. La vérité, je suis dégoûté les refs. Mais ça fait rien, vas-y. Tu voulais jouer deuxième? Vas-y, je ramène le cercle. Ouais, je voulais jouer deuxième. Je fais le cercle, donc du coup, ça me permet d'aller récupérer une carte salamandrante dans mon deck. Notamment Gazelle. Parce que Gazelle, tu sais très bien ce qu'elle va faire, Gazelle. Ouais, mais. Quoi? Ouais. Quoi? Non, je réfléchis. Eh frère, me dis pas que tu top deck à chaque fois que tu chopes une hache dans ta main. À chaque tour, t'as une hache dans ta main. Ouais, c'est vrai. Non. Après, j'en joue 3. Ouais, mais même si t'en joues 3, froid. Froid. Frère. 3 fois. Bon, okay. 3 fois frère. Vas-y, j'ai pas le choix. J'invoque Roule-boule. 3 fois frère, très vite. 3 fois frère. Je fais Phalanx le Lynx, c'est ma base. Okay. Phalanx, c'est ma base. Phalanx, qui dit quoi? Qui me dit que je peux aller récupérer, du coup, un terrain. Tu vois, ça t'a servi à rien, ma hache. Bah si. Ça t'a rien fait. Du coup, moi, je voulais ramener Gazelle, je voulais plus contrôle. Ouais. Voilà, c'est tout. Tu sais pas ce que je joue. Je ramène Xyz parallèle, la base. Ouais. Le Lynx, j'active l'effet d'Xyz parallèle. Que
que je joue en trois fois d'ailleurs les frères pour pouvoir l'avoir beaucoup plus souvent. T1. Est-ce que tu joues Nibiru? Est-ce que tu joues Nibiru? Telle est la question. Et toi, tu joues Nibiru ou pas? Je te dis pas. Et toi, tu joues Nibiru? Pourquoi tu me dis pas? Je sais pas. Toi, tu joues Nibiru ou pas? Non, toi, tu joues Nibiru ou pas? Bah, tu verras. Si tu me dis, si tu me dis que tu joues, si tu me dis que tu joues Nibiru, ouais. Bah. Tu verras. Si tu joues Nibiru, fais attention. Je rappelle, Nibiru, c'est à partir de 5 invocations. Là, t'en as déjà fait 4. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, ça va Nibiru tout ça. Arrête. Arrête. Tu mets la pression là. C'est cette carte. Je peux pas cibler cette carte là. J'ai rêvé de roule-boule. Je pense pas que tu joues, Nibiru. Il fait quoi là? Il fait quoi ton machin fatigué là? Eh, hey, t'as qu'à lire la carte, c'est pas mon problème. Changer tous les monstres face de deux sur le terrain pour une fois. Wouah, c'est trop frère. T'annules tous les effets là? Je sais pas. Oh là là. C'est beau là, j'étais obligé de faire ça. Regarde, mon terrain en fait il sert à ça. Il sert à ce que je puisse passer, mettre la même carte sur une même carte. Ouais. T'as capté ou t'as pas capté? J'ai pas capté. Attends, c'est ton truc là qui m'inquiète là. Votre adversaire ne peut cibler cette carte. Tant que cette carte est en position de défense face recto, changez tous les monstres face recto. Eh vas-y frère, j'ai pas le choix à une phase. Heureusement, oh, j'ai mon Baguska pour contrôle. Heureusement, j'avais mon Exit parallèle dans ma main. Et j'ai mon Salamangrande Loup, loup okay. Du soleil de mon, okay. De mon Zboubi, les frères. Ok. Allez, tour 2. Eh, tu sais que là, c'est le match décisif. Genre, faut c'est mettre le match la musique. Décisif. Oh, t'as joué farce gamin! Espèce de gamin, Luthor. T'es un gamin, Luthor. Ouais, je suis un gamin. T'es un gamin, Luthor. Je suis un farce gamin. T'es un farce gamin. Je suis un farce gamin. Attends. Ah, j'en ai marre. La vérité, j'en ai marre. Attends, mais je vais te poser une question. Ton truc vas-y, fatigué dis-moi. Là, est-ce que là il me fait quelque chose ou pas? Vas-y, on va voir. Putain, bâtard. Ah, bah, invoque un monstre. Vas-y, wesh, Yugi et Kaiba, ils expliquaient pas, Zarma. Qu'est-ce que tu fais là? Jusqu'à la fin de ce tour, le cible gagne. Mais ses effets sont annulés. Mais t'es un bâtard. Bah oui. Non. Bah si. Non, les frérots. Bah si, frère. Grâle interdit aussi, c'est cheaté, frère. Bah... Bien joué. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Là, si je joue bien, il y a moyen de faire quelque chose. On va jouer ça. C'est pas fini. Ok. On va jouer Miaou Miaou. Putain, tu connais les bails. Tu connais. Je suis tendu. Non, je connais pas. Tu connais les bails. Je le maîtrise trop pas. Je le maîtrise trop pas ce deck là. Là, je vais chaîne 2 lui. Et je vais chaîne ça, comme ça, tu peux rien faire. C'est-à-dire? En fait, là, vu que j'ai joué l'effet de mon goût rigolo dans le cimetière, il est chaîne 1, il est bloc chaîne, tu peux pas l'annuler son effet. Ouais, t'inquiète. Tu vois, et en fait, est-ce que je pouvais l'annuler déjà? Ah, bah ça, je sais pas. Donc là, tous déjà. Les monstres ils perdent. Tu vois, ils ont perdu un peu d'attaque là. Là, je vais un déjà. Spécialement lui. Ok. Déjà, ça. Ça, on va set ça, on va pas oublier. Ensuite, on va aller chercher Dodo. Dodo, il est mignon. Il est rigolo. C'est Dodo rigolo, frère. Oh, vas-y, frère. Lui, je le déteste. Pourquoi? T'aimes pas les oiseaux? Non, je le déteste, lui. J'aime pas les oiseaux. Chape sa race. Chaîne 1, lampe rigolo. Quoi, il fait quoi lui encore? Ça, je bloque chaîne. Chaîne 2. Regarde mes points de vie, regarde tes points de vie. Pour l'instant, attends. Tu vas voir. Donc là, je vais aller chercher ça. Regarde tes points de vie, regarde mes points de vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qu'ils ont les points de vie? Alors, wow, regarde, t'es à 7500, je suis à 9000. Ouais, t'inquiète. Fais les bas et fais. Alors, j'ai bleu, rouge. On va faire le vert. Ok. Attends, c'est là où faut pas que je fasse n'importe quoi. En tout cas, c'est bien. T'es sympa, tu me l'as joué, tu vois. Est-ce que j'ai le choix? Je sais pas. Ouais, je vais faire ça.
Non, je vais pas faire ça. Je vais faire Est-ce que ça. J'ai le choix, les Sahabi derrière l'écran? Je vais faire Pandémonium. C'est quoi ça? Un mec qui part fusion. Oh frère, oh la tête. Fusion. C'est une petite fusion. Tac. Et tac. C'est une petite fusion, c'est rien. Frérot, ça va bien se passer. C'est une petite fusion. Voilà. Ensuite, on va faire chaîne 1. Lui. Chaîne 2, le terrain. Chaîne 3. En fait, ce qui est bien, ce deck, c'est que tu protèges tes cartes grâce aux chaînes. C'est trop, frère. Ça m'a appris les chaînes. Donc, si vous connaissez pas c'est les trop, chaînes, c'est trop, les frères. C'est important, c'est les chaînes. C'est trop, Yassaki, c'est trop. C'est Donc, trop. Là, c'est trop. Et là, je vais envoyer au cimetière ça. Et c'est quoi ça? C'est un pandémonium, ce que je viens d'utiliser. Là, tu dis, mais pourquoi? Pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il fait ça, mon ami? Pourquoi il fait ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que regarde, je vais sacrifier ça et je vais pouvoir récupérer. Je vais pouvoir reborn deux cartes. On va reborn mais, ça. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Le bleu. Et leurs effets sont annulés, j'espère. Non. Quoi? Bah non. Leurs effets. Mais pourquoi tu fais ça? Écoute, tu vas voir. Ah. Ah, j'aime bien, je le sens pas bien. Je le sens pas bien. Il m'embête un peu, votre Sahbi là. Hein. Qu'est-ce que tu Vas-y, active l'effet, du loup. Vu que tu t'es pointé dessus, je peux récupérer une carte de mon cimetière et la mettre dans mon deck. Vas-y. Donc là pour le coup. Bouge pas. Je vais sacrifier ça, je vais récupérer deux cartes dans ma main. Mais frère, oh, y'a Sahbi, c'est bon. Au bout d'un moment, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est quoi le problème? Bah, arrête. Pourquoi? Il fait que jouer là depuis tout à l'heure. Moi aussi, je veux jouer. T'inquiète, tu vas jouer. Il a récupéré toutes ses cartes magiques et pièges. C'est rien, ça va bien se passer. Et là, je vais invoquer Babark. C'est quoi Babark? C'est un petit chien, il est mignon. Je connais pas le deck Farce Gamma, les amis. Je ne connais pas le deck. C'est pas grave. Waouh! Du retour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler deux cartes Farce Gamma de noms différents dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Bon. Ça va, c'est rien. Mais frère, hey, il m'a annulé l'effet de mon Baguska, frère. Khlas. Voilà, Baguska, elle danse tout l'histoire. On va invoquer un petit. J'attends. C'est là, frérot, c'est la fin. Je t'annonce. C'est la fin? Ce tour est. Alors, c'est pas un deck qui est OTK. En fait, c'est un deck qui contrôle, qui joue sur la durée. Tu vois? Mais non. Je vais te jouer sur la durée. Mais non. Bah, si. Bah, alors. Punaise. Voilà. Bah non, ah, frère, je suis en train de lire tes cartes. Ah, je vais set ça. Je vais passer en battle quand même. Parce que ton babouchka là, je sais pas quoi là. Oh là 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 là, ça c'est pas bien, monsieur. Ça c'est moche. Mais peut-être tu es tombé dans mon piège. Ça joue Nibiru. Voilà, je vais avoir une bonne protection. Ah oui, 3000. Ouf! Ça va, je suis pas mal. Ouf! Je suis pas mal. Ça va faire mal, hein. Qu'est-ce que c'est ton truc là? Je me suis loupé, les frères. Je voulais mettre en position d'attaque. Ah, c'est bête. C'est bête. C'est vrai que c'est con de le mettre en défense. Je me suis loupé, les Sahbi. Continue la même phase. Tu sais quoi, je vais. En vrai, ça m'arrange ce que t'as fait. Je vais fin de tour. Ok, nickel. C'est bon, ça me va. C'est bon, ça me va, les Sahbi. Ouf. Est-ce qu'on va pouvoir top deck? Faut que je joue bien. Est-ce qu'on va pouvoir top deck? Vas-y, tu sais quoi, j'invoque la gazelle. Vas-y. J'active l'effet de gazelle. Ok. Ah, mais t'as une carte? Ah oui. Non. Tu connais ça? Mais non. Allez, au revoir. Mais non. Et pour avoir hommage au torrent ciel, frère. Ouais. Là, les gars, c'est un duel. C'est un duel de toute beauté, Nibiru. C'est un duel compliqué. Mais ouais, j'active l'effet de phalanx dans mon cimetière. Ok. Donc du coup, je vais pouvoir récupérer ma carte. C'est chaud d'ici. Donc là, la question, c'est est-ce que je récupère? Ou est-ce que je fais ça? Je suis en train de réfléchir à mort, les frères.
Ça, je peux pas. Ça, je peux. Oui, oui. Je vais faire ça. Oh, c'est chaud, les gars. Là, pour le coup. Là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment. Pardon. C'est vraiment chaud. C'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Mais tu sais quoi, vas-y. Vas-y, je suis joueur. Je suis joueur en bas. Ouais, je suis joueur. Je suis joueur. Ok. Je suis joueur. J'active l'effet dans mon cimetière de Monsieur Renard. Ok. Je me défausse d'une carte Salamand Great de ma main. Poule Renard Viper ou pas? Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ça? C'est rien ça. Durant la même phase, vous pouvez activer cet effet immédiatement après la résolution de cet effet invoqué par lien, un monstre lien farce gamin en utilisant des monstres farce gamin que vous contrôlez comme matériel. Lorsqu'un monstre déclare. Ah, mais ça c'est vrai, genre ça. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, mélanger un nombre de choix d'un individu. Et si vous le faites, le monstre attaquant permet. Ah waouh. Vas-y, ok, ça marche. C'est bon. J'active mon renard. Ouais. Avec mon renard, je peux détruire une carte. Moi, j'ai pas de défense. Je suis pas bien. Et je décide de détruire ton terrain. D'accord. Donc là, du coup, il y a un truc. Il y a un truc à faire là. Je suis pas bien. C'est quoi ça? Il y a Sarbi encore. Durant la même phase, invoqué par fusion, monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez ni invoquer normalement ni. Une petite farce de gamin. Je vais te faire une petite farce de gamin. Tu vas faire une petite farce de gamin? Bah oui, c'est pour ça que ça s'appelle farce gamin, parce qu'il fait des petites farces, tu vois. C'est ça, t'aimes bien ce deck. Eh, c'est vraiment le duel le plus. C'est vraiment le duel le plus contrôle, hein. C'est un truc de fou. C'est quoi ça, transforme temps? Transforme temps, c'est ça. C'est votre attaque, votre adversaire ne peut ni activer d'effet ni des cartes. Là, vu que j'ai sacrifié mes deux pour farce gamin, leurs effets, ils s'activent dans le cimetière. Ouais. Donc ça veut dire que grâce au premier, déjà les deux, ils vont me faire revenir deux farce gamins de mon deck en position de défense. T'as compris? Non, j'ai pas compris. D'accord, tu me haches. Donc tu m'en as hache un, donc t'en auras quand même un. Ouais. Okay. C'est mieux que deux. Résolution. Tu m'as hache lui. Du coup, l'effet de l'emprigolo lui s'active, tu perds 500. Mais arrête de me faire perdre 500. Eh, je peux jouer, c'est mon tour. Eh les gars, ça c'est un truc de fou. C'est mon tour, est-ce que je peux jouer? Tu vas jouer. Je vais juste invoquer lui en position de défense. Okay. Vas-y, c'est ton tour. Frère, joue. Moi je suis. Attends, je suis en train de réfléchir parce qu'il a des cartes à gogo, il a des cartes de partout. Ouais. C'est rien ça. C'est rien. Ouais, d'accord. En gros, là, je te sens vraiment très serein, tu vois. Bah, bien sûr. Donc là, mes farces gamins ne peuvent pas être détruits au combat, ce tour. Ils peuvent pas être détruits au combat. Hein. Mais ils peuvent être détruits tout court. Mais t'as pas de carte dans ta main, là. Et alors? Ouais, j'ai le droit de te poser des questions. Vas-y, comme il est agressif d'un coup. Pardon. Attends. Si votre monstre farce gamin attaque, votre adversaire ne peut ni activer des. Ok, fais rapide, vous pouvez sacrifier cette carte. Puis cibler deux monstres non fusion. Je peux le faire. De nos différents dans votre cimetière. Voilà. Vous pouvez sacrifier cette carte. Puis cibler deux monstres non fusion. De nos différents dans votre cimetière. Invoquez-les spécialement. Ouais. Et ils ne peuvent pas être détruits. Non, mais t'as déjà utilisé son effet. C'est une fois par tour. Non, j'ai pas utilisé son effet rapide encore. T'as pas utilisé son effet rapide encore. Non. Je peux le faire encore. Et invoquez-les spécialement. Ah, la vérité, les frères. Oh, les farces gamins, ils sont en train de me rendre fou. La vérité. Eh, je crois qu'il est en train de m'avoir à l'usure. C'est le but. Là, il est en train de m'avoir à l'usure. Enfin, parce que je ne sais pas. On n'a pas mis le time. Ah, si, il y a le time. Si, il y a le time. Fais gaffe, je vais gagner au time. Ce serait... La question est de savoir, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais mon. Est-ce que ça va marcher? C'est ça la question. C'est est-ce que je tente le coup? Mais il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait, le Sarbi. Bah, bien sûr. Donc, je pense qu'on va contrôler. Vas-y. Tu penses que tu peux contrôler mon contrôle? Ouais, je pense qu'on va contrôler. Ok. Je pense qu'on va contrôler, les Sarbi. Okay. Là, ça va être un duel de contrôle. Ouais, c'est exactement ça. Là, ça va être un duel de contrôle. Je peux pas refaire comme j'avais fait tout à l'heure. Parce qu'il y a trop d'effets de partout, je connais pas encore parfaitement. En fait, il y a beaucoup d'effets de farce gamin. Oh, on a tous les deux aucune carte dans la main. Là, c'est chaud. Hein. C'est-à-dire que même Nibiru, les frères, quand même, dans un farce gamin, c'est quand même Nibiru. Ou, dans son deck, ça le dérange pas. Ça l'a pas dérangé que je Nibiru, tu vois. Grave pas. C'est ça le pire. Donc vas-y, qu'est-ce que tu fais là?
Waouh, vas-y mes frères, c'est trop par contre. Alors, durant le tour de votre adversaire, vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler deux faces gamins de noms différents dans votre cimetière, ajoutez-les à votre main. Et aussi, les faces gamins ne peuvent pas être détruits par les effets de carte. Vas-y, ça marche. Allez les gars, on va essayer de... Wesh, tu peux encore utiliser un effet là ? Bah oui, le bleu... Mais frère, c'est bon ! Je l'ai pas fait pendant ton tour, le bleu. Mais frère, 10 000 PV ! C'est rien, c'est la rue. Oh, au bout d'un moment, faut arrêter. C'est quoi ça ? La vidéo, elle va durer 20 minutes. Bon. C'est à toi. Ah, non, non. Ouais, ouais, t'inquiète. Non, ce que je voulais t'inquiète. Je voulais dire, t'es genre pasteur, mais en fait, c'est à toi. T'as un taux d'effet rapide, encore une fois. Tu peux sacrifier cette carte, puis cibler deux cartes farce gamin de ton cimetière et tu vas l'ajouter à ta main. Exactement. Oh là 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 là. C'est la catastrophe d'aller, ref. J'ai 18 cartes dans mon. C'est la question existentielle. Si jamais lui, vous pouvez bannir une carte depuis votre main, et si vous le faites, piocher une carte, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre farce gamma depuis votre main ou deck en position de défense. Ouais, ça c'est son effet quand il est du cimetière ouais, à sa main. C'est quand je l'utilise. Putain, la question, frère, c'est qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais, les sahbis ? Qu'est-ce que je fais, les sahbis ? C'est ça la question. Est-ce que je tente le coup ? Est-ce que je tente pas le coup ? Ouais, putain. Allez, vas-y. Tu me fais. De toute façon, frère, y'a pas le choix. Oula. Oula. Vas-y, j'invoque Étale au Mirage. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui ? Oh, il est magnifique. Ouais, il est beau. J'invoque Étale au. Il fait quoi le machin ? Étale au, c'est-à-dire que si jamais j'active son effet, je peux aller récupérer une carte à la main grande de mon deck et l'invoquer spécialement. Et si jamais j'utilise un Link en l'utilisant lui, et ben du coup, je peux renvoyer une carte dans ta main. Une carte monstre dans ta main. Ok. Vas-y, je vire renard. Tu veux me renvoyer elle dans ma main ? Non, là, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer spécialement une carte. Ouais, mais pourquoi tu l'as ciblée là ? Ah, t'as invoqué spécialement une carte ? Ouais, là, j'invoque spécialement. Ok. Alors, on va contrôler, frère, on va contrôler. On va contrôler parce que sinon, on va pas s'en sortir. On va contrôler. Soit j'invoque spécialement. Jaguar. Vas-y. Vas-y, on va ramener. Je te sens pas serein. Ah mais frère, en fait t'as trop d'effets. T'as trop d'effets, même dans ton cimetière t'as trop d'effets et en fait tu joues 3 à mon tour, laisse-moi jouer. C'est mon tour, frère. C'est mon tour. You understand or you're not understand? Ouais, I'm French. You're French, yeah guys. Yes, j'ai tout compris. Oh là, attends, qu'est-ce qu'il me fait encore? Je fais Nick 1, Phalanx. C'est Jacques? Non, c'est Phalanx. J'ai viré Jacques Jaguar et j'ai ramené Phalanx. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Lui, tu connais les bails, je connais. Tu connais les bails. S'ils vont être détruits au combat, donc là tu vas tenter là, d'attaquer, non ? Là, le problème c'est que ça. Attends ce case. C'est pas d'erreur, hein. C'est que c'est une erreur. Pas faire d'erreur. J'ai 10 000 points de vie. Il a 10... Et si je fais une erreur, c'est finito pipo. Si je fais une erreur, c'est finito pipo. Si je fais une erreur, c'est finito pipo. Vas-y, il faut que je me dépêche. Allez, vas-y, tu sais quoi ? Ouais. On n'a qu'une seule vie. Oula, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu fais ? Ligne 2. Oula. Salam en grande, salam en great, okay. Lui du soleil. Ok, qu'est-ce que tu fais ? J'active l'effet de Étale au Mirage et je te renvoie une carte dans ta main. Ok. Tu me renvoies laquelle ? Je te renvoie ton monstre. Je renvoie pas ta Link. Ok. Ok. C'est bon. Ça me dérange pas. Ça te dérange pas ? Non. Vas-y, pète sa mère. Ça, Jacques Jaguar. Qu'est-ce que tu fais ? Tranquille, t'inquiète. Jacques Jaguar, en gros, du coup, je dois renvoyer une carte dans le deck. Ouais. Et je vais pouvoir récupérer dans ma main. En gros, je vais pouvoir invoquer spécialement Jacques Jaguar. Ouais, donc, je vire Étale au Mirage. Ouais. C'est trop. Ça, et toi, ça recycle aussi. C'est... Donc là, je ramène Jacques Jaguar. J'active l'effet de mon loup. Ok. Donc là, tu vas pouvoir. C'est chaud. Tu vas ajouter un monstre feu de ton cimetière à ta main. C'est chaud, le frère. C'est chaud. C'est chaud. Donc je vais pouvoir récupérer une carte dans ma main. Okay. Je récupère H. Ok.
Oh le bâtard. J'aurais pu récupérer Gazelle, mais on va dire qu'on va, on va essayer de l'empêcher de jouer. Ah, attends, faut bien jouer. C'est chaud, les frères, c'est chaud, c'est chaud. Faut bien jouer de ouf. C'est chaud. Au moins, j'ai l'info que t'as hache en main. Là, faut que je joue vite. Allez, il me reste, il me reste peu de secondes. Moi, je vais, je joue vite. Je vais te battre au time, je te préviens. Vas-y, t'es quoi? Vas-y, quoi? Tu vas pas battre au time, t'inquiète, je vais jouer vite. En fait, il y avait trop de, d'effets de ton côté. Qu'est-ce que t'as fait là? Ah oui. Là, je ramène le loup, j'active l'effet de mon loup. Ok. Je récupère une carte. Ok. C'est bon. Ouais. Je pose la carte. Donc ça, c'est ton cercle. T'as fait quoi déjà ton cercle? J'invoque. Attends. What? Tiens. Yeah. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Je vais tenter un truc. Ok, vas-y. J'invoque. Toi, ton tour, j'invoque. Ouais. Apulusa. C'est la première fois que j'invoque, hein, par contre. Hein. Oh, attends, mais lui. C'est la première fois que je l'invoque, Apulusa. C'est la première fois que j'invoque. Ok. Donc, je sais pas du tout ce qu'il fait. Non, pour de vrai, parce que en fait, quand je fais des lives, parce qu'on fait des lives sur Yu-Gi-Oh, on m'a, quand j'étais avec les abonnés et tout, ils m'ont conseillé de la mettre. Donc, on verra bien ce que ça va faire. Des fois dans Yu-Gi-Oh, ils utilisent des effets. Je passe en battle phase, vas-y. Vas-y, active l'effet. Et oh, il me reste pas beaucoup de secondes. J'ai pas envie de dire combien de secondes il me reste. Wesh, il fait quoi comme effet lui? Tu m'as pas dit ça, hein? En fait, tu vois, Miaou, là, j'ai sacrifié tout pour faire son effet. Mais à la place, j'ai pu bannir Miaou du cimetière. Ouais. Tu vois, en fait, à la place. Au lieu de la sacrifier, j'ai banni. Ah, ok. Donc forcément. Et du coup, comme ça, oh, tu vois, ça réduit un peu ce que je prends. Ok, j'ai quand ça même marche. Vas-y, je vais une phase. En gros, là, j'ai beaucoup réfléchi, les amis. J'ai beaucoup réfléchi sur ce que je devais faire et tout. Parce que je connais pas son deck. Concrètement, je connais pas du tout son deck. Donc ouais, t'as récupéré ton terrain. Donc ton terrain, lorsque cette carte vous pouvez ajouter, ok. Donc là, du coup, je hache. Yes, merci. Vas-y, pas de soucis. Comme ça, je l'empêche d'aller récupérer, voilà, un monstre farce gamin depuis ton deck à ta main. Exactement. Donc là, t'actives un effet de monstre. Enfin, t'actives ton monstre. Il reste pas beaucoup. Alors, tu vois, ce qui est chaud, c'est que en TCG, le Miaou Miaou, il est qu'à un exemplaire. Tu m'as fané, frère. Pourquoi? Tu m'as fané, frère. Et là, du coup, grâce à la chaîne, je protège encore une fois. Wouah! Ça, c'était pas voulu, ça. Ok, on va invoquer. On essaie de faire des choses. Ouais, on essaye. On essaie de faire des choses. Là, je suis en train de réfléchir dans ma tête. S'il y avait pas mieux à faire, je pense qu'il y avait pas mieux à faire. Alors, est-ce que je tente ça? Je pense qu'il y avait pas mieux à faire. Écoute, je vais tenter un truc qui est... Je sais pas si j'ai raison, tu vois. Ok. Je vais activer l'effet de phénix. Je vais défausser une carte. Et je vais détruire... Je vais détruire ta... Tu vas détruire ma carte là? Ouais. Eh, vas-y, frère, tu sais quoi? J'active l'effet. Ok. J'active l'effet, ça me permet d'aller récupérer une carte Salamon Great. Bien de joué. Mon deck à ma main. Du coup, ça servait à rien, c'est pas grave. Putain, il y a tellement de cartes, frère. Il y a
pour l'instant, j'ai le quart d'avant. J'ai l'avantage parce que j'ai plus de points de vie. Mais après, t'as. J'ai 7000 PV, il en a 9600. C'est horrible. On va passer en battle. Je vais taper ton Apollosa. Ouais. Ah oui. Il va servir à rien, mon Apollosa. Et je vais dire à toi. Ouais, ok, bien joué. Ok, ça marche. Attends, il m'a servi à rien, l'Apollosa, les frères. Il m'a servi à rien. C'est horrible. C'est horrible. Vous vous rendez pas, en fait, vous vous rendez pas compte à quel point c'est horrible. Je te jure, j'active mon effet de renard. Ouais. J'ai quoi dans mon cimetière? Ok. Je vire roule-boule. Ok. J'invoque spécialement mon renard. Mon renard, okay. Il me dit quoi? Il me dit que je peux détruire une carte. Ok. Je détruis ton terrain. Ok. Vas-y frère, voilà tu m'as fané. C'est bon, là je suis vénère. Là tu m'as vénère. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait. J'invoque. Il te reste combien de temps toi? Il me reste 180 secondes. Ça va, t'as le temps. J'invoque mon roule-boule. Ok. En position d'attaque. Ok. Je fais Link 1. Ouais. Je fais Link 1. J'invoque mon feu-lynx, le lynx. Ok, tu l'as en x3 lui. Ouais, j'ai en x3. Eh, vas-y, pourquoi tu peux activer tes effets là? C'est bon, frère. Franchement, je suis pas chaud pour ton feu. Non! Pas te mentir, je suis pas chaud. Bon, j'invoque mon Jacques Jaguar. J'ai pris un risque. J'ai perdu la moitié de mes points de vie. Putain. Est-ce que j'ai bien fait? Je sais pas. Punaise de pomme de terre de Hrapops. Oh là 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 là. J'ai plus de carte en main. Ouais, mais t'as mon deux phalanx, les sabis, mon phalanx. T'as deux monstres. Ouais, et alors? T'as plus de points de vie. Oh là là, mon phalanx. Heureusement que tu me pètes pas mon piège. J'ai pas le choix. J'invoque Mash Splash. Oh, ça va reborn. Mais j'active mon effet de Mash Splash. Ça annule les effets. Oh là 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 là, mais c'est catastrophique. Putain, je vois pas où tu veux en venir. Sélectionner les cartes à cibler, putain. Ouais, reviens en position de défense. Non. Et sans effet. Vas-y, on va voir si ça va fonctionner. Vas-y, on va voir si ça va fonctionner. Je vais ramener Ixid. Bah non. Ses effets sont annulés. Ah ouais? Ouais, ses effets sont annulés, putain. Ouais. Ça fait rien, Sahbi. Ah, j'ai eu chaud. Ça fait rien. J'invoque quand même Transcodeur Bavard. Aïe. J'invoque spécialement. Ok. Vas-y, de toute façon, Zef. J'invoque mon loup. Oh là là. Ah, je suis mort. Je ramène quand même Transcodeur. Assez-Scodeur, pardon. T'as gagné. J'ai mal joué sur mon Phoenix. Non. J'active l'effet de mon Assez-Scodeur. Oui. Oui. Détruis mon piège. Oui. Let's go. Mais quel duel. Mais quel duel. Oh mais quel duel. Oh. Mais quel duel. Mais quel duel. C'était incroyable. GG. C'était incroyable. C'était un duel incroyable. Tu vois, je sais pas si j'ai bien fait de mettre Phoenix juste pour péter ton truc. J'aurais dû continuer mes combos. Ouais. Là pour le coup, là je suis au top. Bien joué. GG, franchement, et c'était des sacrés duels. Duel encore le premier et le deuxième duel, c'était des duels rapides, mais le troisième c'était plus un duel contrôle et qui a fait ça. Que bah du coup au final c'était vraiment incroyable. GG à toi Luthor. Merci, les amis. En tout cas, n'oubliez pas les frères, Master Duel, c'est un jeu totalement gratuit, disponible cross-platform. On a peut-être oublié de le dire en introduction pour les personnes mobile. Qui vont se poser la question. Donc en fait, voilà exactement, tu peux jouer sur mobile, tu peux jouer sur console, tu peux jouer sur PC, c'est gratuit. Et cross-save. Comment ? Cross-save. Et cross-save, oui exactement. Si t'as un Konami ID, tu vas pouvoir le jouer sur n'importe quelle console sans forcément migrer et tout de compte. Donc c'est vraiment clean.
à mort. Donc GG encore à Luthor. De toute façon, il y aura le match retour sur sa chaîne dans l'espace description. Je vous mets la chaîne de Luthor et dites-le dans l'espace commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce type. En tout cas, moi j'ai surkiffé à le faire et il y en aura d'autres. Voilà, moi je dis il y en aura d'autres. Il y en aura avec plaisir. Luthor, je te laisse le mot de fin et on se quitte sur ça. Bien joué frérot, mais j'aurai ma revanche, crois-moi, j'aurai ma revanche. T'inquiète pas mon frérot, ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Des cœurs les frères. Ciao, ciao, ciao.